Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, moi je... Hey. Viens par là, merci. C'est parti. Moi je stresse un peu aujourd'hui parce que bon, il y a des problèmes de tournage avec le logiciel que j'utilise. Donc en l'occurrence Shadowplay en ce moment, hein, pour tous les jeux récents. Donc à vrai dire, je flippe, hein, je flippe ma race. Donc ça va être sauvegarde à gogo, hein, le temps que j'ai des réponses de la part du support. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Hop, ça c'est fait. Il a buté un Mr. Andy. Oh le vilain. Instructeur océanographique. Oh merde. Ah, oh, ça se trouve, c'était un personnage important et tout. Quelqu'un avait vachement envie de manger des fruits de mer. Ouais, comme tu dis. C'est tout ce qu'il y avait? Seriously? Ah, attendez. Terminal de recherche. Il y a un duct tape juste à côté. Clé du bureau. Commande du coffre-fort. Bah non, j'ai pas besoin de tout ça. Clé du bureau. Ah, coffre-fort. Clé du bureau, cependant. Hop, ça c'est bon. Joli. Des cartouches. Et un flingue moisi. Clé du bureau. Ça, ça m'intrigue. Novice, ça devrait aller. Blah. Ah bah dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas cassé un truc sur un novice. Hop. Ça y est. Crac. Trempé, ça va chier. Oh. Respecte ma putain d'autorité. Clé du bureau. J'ai dû louper quelque chose. Bah non, y'a rien. Y'a une machette. Ça, c'est cool. Clé du bureau. Bon, bah, je vais aller voir. Ah ah ah. Je suis trop grand. Chemistry Station. Oh, steamer trunk déverrouillé maître. Là. Ouais, bah là, sur maître, je vais en casser plus d'un, je pense. Hein. Là. Ça fait deux, donc techniquement, on a plus d'un. Hop là, si j'avais fait ça dès le début. Ouais. A double agent ring. Pourquoi pas. Vraiment que je me renseigne sur tout ce que font ces mods. Bon, faut que j'aille voir pour le fameux bureau là. Hop, salut. J'arrive pas à trouver les clés de ton bureau, il faut que j'imprime d'autres fiches d'inscription et des brochures sur le blocus du port. Tu ne les aurais pas encore laissées sur le bateau. Mais de quel bureau? C'est ça qui me gêne le plus, c'est qu'il parle d'un bureau, mais pourquoi pas, mais... Enfin, cabinet, ça c'est pas un bureau. Mettons-nous d'accord sur notre désaccord, ce n'est pas un bureau. Ou alors c'est la maison juste à côté, peut-être. Peut-être la maison juste à côté. Parce que ça c'est pas un bureau. Clairement. Bon bah ressortons, hein. Alors. Hop, je fais une petite ellipse. Voilà, re. Bon. Est-ce que ce serait ça? Société au... Ah bah oui, d'accord, donc c'est la boîte. Donc oui, c'est peut-être plus ici. C'est peut-être plus ici, chers amis. Alors. Bureau, non, il est ouvert. Terminal de recherche déverrouillé novice. Lose, very. Non, do, non, ça peut pas être. Si, ça peut être dose.
Avant de faire le con. Alors ici j'en ai une. Et deux. On n'a pas de bol, on n'a pas de bol, on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. 3. 4. 5. 6. 7. Quoique, c'est pas trop mal. Toll donc. J'y suis. C'était forcément Toll, c'était le haut qu'on avait. Note interne. Nous fermerons la dernière semaine d'octobre en raison de la participation d'une grande partie de notre personnel au symposium national de protection aquatique de Montreuil, d'accord. Non, je resterai sur la continuation de la préparation du blocage du port. D'accord. D'accord, n'oublie pas d'éteindre les robots. Est-ce que c'est une bonne chose? Ok. J'espère que tu galères pas pour rien avec ce truc. Non, je galère pas du les tout. Les yeux d'une baleine sont fixes. Pour regarder dans une autre direction, elle doit tourner son corps entier. Oh. On va prendre un cours, je le sens. Hop. Parce que la première chose que je dois faire quand tu rentres dans un bâtiment, c'est d'aller dans les chiottes déverrouiller quelque chose. Génial. Hop. Y'a pas grand chose là-dedans quand même, hein. Je vais le voir. Bonjour. Les yeux d'une baleine sont fixes. Je l'ai déjà entendu celle-là. Elle doit tourner son corps entier. J'ai déjà entendu. Bienvenue à la société océanographique de Nantes. D'accord, merci. Bienvenue à d'accord, la société t'es pas très causant. Océanographique de... Guide sur les réductions de 10% de chez les vendeurs de nourriture et de boissons. Cool, j'imagine. Du poisson mort, ça m'étonne qu'à moitié. Un téléphone. Et une sortie. Et aucun PC qui ne fonctionne. À l'étage, qu'est-ce qu'on va trouver ? Un autre monsieur, un bureau toujours ouvert. Ouvert. Porte déverrouillée expert, ça devait être ça le fameux bureau en fait. S'il voulait aller imprimer des choses. Du coup, ça doit être une salle avec une imprimante, j'imagine. Bon, il n'y a plus des masses d'imprimantes cependant. Hop, par contre, on y trouve des munitions. Il peut pas la boucler 5 minutes. Elle a dit quoi ? Il peut pas, d'accord, je crois que c'était à moi qui ai parlé. Ouh, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Non, il est vachement propre son bureau, ouais. J'avais pas vu ça. Hop. Ça aurait été dommage de le louper. Non, pour moi, il n'y a pas grand chose. Oh. Société océanographique de Nantes. Je peux pas passer là dans le trou. Ça y est, c'est bon. Alors, bon, de ce côté-là, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a un chargement ? Oui, il y a un chargement. Est-ce qu'il est long ? Il est long, mais bon. De ce côté-là, on s'en sera sorti plutôt bien. On n'est pas allé voir la fameuse église, me semble... Attends, il y a un accès... Oh ! T'as vu ça le talent? Elle met même une plante verte. Par contre, y'a rien à l'étage. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Hein. Là, y'a quelque chose. Le bateau. Le bateau qui était genre là-bas? Fallait chercher la clé, vous vous rappelez, dans le bateau. What? Ok, c'est. C'est un bug. J'ai bien fait de tenter des choses. Cependant, il y a des ennemis en dessous. Hein. Hé, hey, reviens! Hop, les... Salut, mon pote!
Ok, ça fait mal? Tu me le dis, hein? Oh, ça doit faire mal. Tu me plais. What the... Je sais pas ce que c'est que ce truc là-bas. Bon, lui non plus, remarque. Par contre, les munitions tombent à vitesse grand V, hein, autant être honnête, hein. Bon, retournons dans le placard secret. Des fois, vous voyez, faut bien tenter le coup, hein. Bon, y a pas grand chose d'intéressant, tu me diras, mais... Quelques munitions, c'est toujours ça de prix. Porter trop de choses pour pouvoir courir. Ah bon? Yo, hey. Est-ce que tu viens porter ma saloperie? Tu voulais pas au début. Tiens, prends ça. Déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu seras mieux équipé avec ça. Ne surtout pas tomber. Hop, qu'est-ce que c'est qui m'attaque? C'était du gâchis de munitions, je le sais. Est-ce qu'on a des cocktails Molotov? Apparemment non. Bonjour. On va bien trouver un truc intéressant. Il se rapproche ou pas? Ok. Clé de Casey, voilà. Ça devait être ça. Bon bah on l'a maintenant la clé. Bonjour. Ah, il me fout des coups de là. Je pensais pas. Ça fait mal dans la patte. Voilà, meurt. Oh, il se transforme en goût. Il est mort. Il est mort. Ok, vendu. Hop. Parfait. Ok. Bon, de ce côté-là, ça passe. Maintenant, on va aller visiter la fameuse église. Alors. En douceur, en douceur, en douceur. Apparemment, vous voyez, elle est indiquée sur la map, donc je préfère aller faire un tour. J'espère que l'enregistrement se passe bien, putain. J'ai les boules maintenant, ça y est. Ballon dégonflé, génial. Merci le jeu. Attendez pas à... Quelque chose d'aussi incroyable. Chapelle de Nahant. Là-bas. Un bonhomme de la confrérie de l'acier. Manuel brûlé. Livre brûlé, pourquoi pas. Un balai. Un coffre. Mini-bombe nucléaire, génial. Il y avait là un mini-nook. Tellement d'anneaux, chers amis. Un anneau pour les gouverner tous. Il y en a sûrement un qui s'appelle comme ça. Hein. Ou The Fellowship Ring, ou un truc comme ça. Bon, bah je m'attendais à mieux, je l'avoue. On n'est pas allé là-bas. Si, c'est là qu'il y avait les super mutants. Attention à l'atterrissage. Hop, faut pas qu'il y ait d'amis de notre côté parce que sinon. Ça pourrait faire du dégât. Notre amitié pourrait être entachée, chers amis. Alors. Bonjour. Bonjour. Oh les mouettes. Oh la sale gueule qu'elles avaient les mouettes. Ah fallait les abattre hein. Fallait le faire vite hein. Ok, salut. Y'a rien.
Ok. Par contre, on a une chier de bordel sur nous, apparemment. Donc, on peut peut-être bien de se rentrer. Faudrait voir ce qu'on a sur la carte. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Parce qu'il faut qu'on aille normalement. Faut qu'on aille. Ici, à l'aéroport. Remettre le Loban de Conetta Bingram. Ça me donne pas envie de le faire, hein, putain. Bon, bah, on va retourner à Sanctuary. On va aller se vider, littéralement, hein. Hop, et on verra ensuite ce qu'on pourra en faire. Elle est sympa, le brassard avec la lame dessus, regardez. C'est stylé. Hop. Et il fait nuit, qui plus est. Il fait nuit, qui plus est. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, calmos. Merde, il est chiant en plus. Ce que je vais peut-être faire, chers amis, je vais regarder, est-ce qu'ils sont là, les... Non, ils sont pas là. Ah, ils doivent être là. Voilà. Je vais récupérer les noms de tous les rings que j'ai. Et je vais aller voir exactement ce qu'ils font sur le mode. Voilà. Je reviens. Voilà, re, chers amis. Alors, j'ai essayé de vous ranger... Enfin, de vous éviter le rangage du bordel, hein. Je précise au passage que... Ad Victoriam. Oh, c'est gentil. Que les anneaux qu'on a trouvés actuellement sont pas extrêmement géniaux. Rien, en tout cas, des légendaires qui peuvent être intéressants. Enfin, pas des légendaires, mais des très particuliers qui peuvent être intéressants. Nous, on va aller voir. Les abominations technologiques doivent être arrêtées à tout prix. Comment déjà par arrêter les ghouls? Ça t'aura plus de facilité. Bonjour. L'institut veut que je récupère un objet appelé agitateur de beryllium dans les ruines de la tour de masse fusion. Un agitateur de beryllium. Oh là, non. Hop, vous voyez, donc j'avais fait quelques trucs de rangement, mais au final, je me suis dit, hop, passage. Après le rangement, mais hop, passage. Non, je veux pas balancer les informations de l'institut. Donc là, je suis à une quête où faut que je balance les informations de l'institut. Parce que si c'est le cas, au revoir, hein, c'est... Enfin, j'ai pas l'intérêt à balancer l'institut, quoi. Ça va pas, l'endroit? Oh. Bon, je m'attendais à un peu plus de ghouls, mais bon. Où est-ce qu'on est exactement vis-à-vis du reste de la map, en fait? En territoire ennemi, donc remettez l'holoband, donc c'est bien ça, hein. Ah non, je vais pas informer la confrérie. Docteur Carrington. Ah oui, le réseau du rail. Ah bah tiens, on va aller pouvoir les aider eux maintenant. Parce que du coup, si on doit les informer et que c'est une mission charnière pour l'institut, c'est que, à mon avis, de ce côté-là, on est... on l'a dans le fion, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la quête où justement on est arrivé au niveau de l'institut... À un point de non-retour vis-à-vis de la confrérie. Comme vous cherchez. Ah. Quand vous êtes là-haut, partez du principe qu'on vous observe en permanence. Le voilà. Dez m'a donné l'autorisation d'installer mes capteurs atmosphériques. GG. Je vais enfin pouvoir prouver que l'Institut est en train de terraformer le Commonwealth. Dans les dents, Carrington. What? Pourquoi terraformer? Pourquoi est-ce que l'Institut voudrait terraformer le Commonwealth? Ça remonte à la Grande Guerre. Qui a lancé la première bombe atomique? What? L'Institut, bien sûr. C'est lui qui a déclenché la guerre pour tuer tout le monde, sauf ses savants diaboliques. Non, alors ça, c'est des conneries, ça. C'est un plan stupide. Je n'arrive pas à croire que Dez a approuvé un plan aussi stupide. Bah, j'ai dû rendre les capteurs... Kate vous admire, je me suis foutu de sa gueule. ...opération soit autorisée. Oh, Deacon. Donc, mon capteur, que j'ai baptisé Mila, doit être placé en hauteur. Et Dez m'a obligé à y ajouter des caméras et d'autres bidules de surveillance moisies pour observer le chemin de la liberté. D'accord. Balancez ces merdes si ça vous chante. Comme si vous savez qui pouvait pas tromper une caméra conventionnelle. Ok. Dites-moi où je dois installer Mila. J'ai trouvé l'endroit idéal. Installez Mila. Et les données vont affluer. Ça va être le pied. Eh ben écoute. Ok, elle est moche, Mila. Ah, ça peut être sympa par contre. La quête peut être sympa. Girouette. Kate, c'est une girouette. T'as une seconde? Je voudrais te causer. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Cool. Ça fait un moment qu'on traîne ensemble et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Mais malgré toutes les emmerdes, tu m'as jamais laissé tomber. Ah oui, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. À couvrir mes arrières et à m'empêcher de faire des conneries. Je me dis qu'il est peut-être temps que je te parle un peu de moi. Parce que tu sais pas vraiment qui je suis finalement. Ouais. C'est bien ça. Ça me touche. Merci. Ça me touche. Personne n'a jamais eu cet honneur avant toi. Oh. Tu commences avec deux déchets humains qui méritent même pas le nom de parents.
Bim. C'est sûr que j'étais pas prévu au programme. Parce qu'ils m'ont jamais traité comme leur fille. Ils me gueulaient dessus, ils me tapaient. Je faisais jamais rien de bien. Pour eux, j'étais un poids, rien d'autre. D'accord. Ils m'ont toujours dit qu'ils devaient quand même m'aimer un tout petit peu, puisqu'ils me gardaient avec eux. J'ai compris le jour de mes 18 ans. What? Ils m'ont foutu un collier électrique autour du cou et ils m'ont vendu à des esclavagistes. Oh putain. Ils se sont même pas donné la peine. Bah te plains pas, au moins ils ont attendu 18 ans quoi. 18 ans à vivre l'enfer pour découvrir. T'aurais pu être vendu à des esclavagistes un peu plus jeune. Une capsule pour eux. La vie est dure, mal à l'aise, c'est horrible. C'est horrible. Bon sang. C'est horrible. C'est gentil. Mais c'est pas fini. On m'en voudrait pas si je disais que c'est à cause d'eux que je suis comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est de ma faute. On t'en voudrait pas, comment ça? 5 ans avec les esclavagistes. Les 5 années les plus dures de ma vie. S'il y avait que les années qui étaient dures. Comment ils s'amusaient avec moi? J'ai envie de gerber rien qu'en y repensant. Ouais, c'est pas faux. Et j'ai tenu bon. Et j'ai appris à retourner leur propre méthode contre eux. Voler quelques capsules dans la poche d'un mec endormi, c'est facile. Ouais, je me doute. On n'est pas trop gourmand. Je les aurais tués. Je sais pas comment t'as pu supporter ça. Je les aurais massacrés jusqu'au dernier. C'est facile à dire pour toi, t'y étais pas. T'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Je sais pas où j'ai trouvé la force, mais au bout de 5 ans, j'avais réussi à gratter de quoi racheter ma liberté. Mais au lieu d'aller reconstruire ma vie, je me suis mis des idées de vengeance dans la tête. Je suis rentré à la maison. Ah oui, d'accord, c'était tes parents, donc oui, ok. Mes parents quand ils m'ont vu défoncer leur porte. Ouais, j'imagine. Leur tête. Après que je leur ai vidé un chargeur dans la gueule. Ah, il devait plus avoir grand chose au niveau de la tête. C'était de la justice. Justice, évidemment. Alors, justice ou meurtre? Quand je ferme les yeux, je vois encore leur visage déformé par la peur. Et là. Justice. Je commence à me poser des questions. À juger ce que j'ai fait, ça me fout en l'air. Tu crois que je m'injecte toutes ces merdes et que je descends toutes ces bouteilles parce que je suis une dure à cuire d'Irlandaise? Ça date d'avant la guerre, donc il n'y aura pas ce. Contrôle de ma putain de vie. Enfin voilà, toute l'histoire de Kate l'a traumatisée de naissance. T'as pas faire ce que tu veux. Tout ce que je veux? Ouh. You touch my tralala. Rien n'a changé. Je vais pas l'admirer. Je crois toujours en toi. Je savais que je prenais un risque en te racontant tout ça. Je suis soulagée que tu le prennes comme ça. Oh, flirter. Mais est-ce que ça va commencer la romance ou est-ce que c'est juste purement sexuel? Non, je vais faire flirter parce que voilà. Je serai toujours là pour toi, Kate. Rien de ce que tu pourras dire ne changera ça. Ah, toi, c'est mignon, mais c'est pas vraiment du flirt. Ouais, ok. Je m'attendais vraiment pas. Alors ça veut dire que je flirte à tout va? Je pensais pas que tu tenais à moi comme ça. Et moi qui me trouvais conne à t'embêter avec mes problèmes. C'est bon de savoir que tu seras là si j'ai besoin de toi. Et tu pourras toujours compter sur moi, toi aussi. Mais c'est normal! Putain, dans un monde post-apo où faut surveiller ses arrières tout le temps, c'est normal d'avoir quelqu'un. Enfin bon, ça me semble logique. Sortir des synthétiques du Commonwealth. Yo! Le repère Augusta a été détruit par l'Institut. C'est ce que je craignais. Nous avons perdu 3 de nos repères. C'est dur à imaginer. Tu m'étonnes. Il n'y a rien d'autre à vous proposer pour l'heure. Mais quelqu'un d'autre pourra sûrement vous embaucher. Il y a tellement de crises à régler en ce moment. Tu m'étonnes, John. Merci pour les capsules. Bon, on va aller faire le truc de Mila. La bricole prépare quelque chose. J'espère que ça finira mieux que la dernière fois. Est-ce qu'on peut, normalement, on peut s'en téléporter de là? Tom la bricole. Girouette. À côté de Good Neighbor. Alors ça, j'aime pas. Mais pourquoi pas? Tu me diras, le chemin à la liberté passe par Good Neighbor, apparemment. Donc, de ce côté-là, on va pas trop faire la fine bouche. Bon. Bah écoute Kate, tu me plais. Tu t'es battu, t'as fait ce que t'as pu et t'as survécu. C'est le principe d'un survivant, hein, c'est faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Regardez Bear Grylls. What the... Qui est là? Artilleur, d'accord. Un artilleur à terre. Putain mais il est solide celui-là. Je suis coincé. Putain, ça l'a pas tué, hein. Hop. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Ça va chier. On peut dire que tu sais t'amuser, toi. Alors. Une minute. Par là, chope-les. Ça va chier. Oh, ça touche, hein, normalement, là. Hop. Il fait mal, dis donc, il est légendaire ou quoi? Non, même pas. Il fait juste très très mal. Ok. Kate, tu fais quoi là-bas?
Bon, on est censé aller où? Par là. Faut monter sur le toit d'un bâtiment, je crois. Remarque, si je peux y aller en jetpack, ce sera aussi bien. Hein. Toi, joue avec moi. Non. Oh, ça va être un bon combat. Ah, tu... Hop, et de 1. Putain, mais ils font mal. Oh putain. Je crois qu'ils ont un molosse, putain. Ok. 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 C'est moi qui récupère le manoir. Ok. Vas-y, récupère si tu veux. Y'a aucun souci. Ah, d'accord, c'est une pure base. Tu me dis, il faut que je monte tout là-haut. Ok. Centre 360, pourquoi pas, hein. Apparemment, il y aura plusieurs girouettes à poser vu qu'elle est destinée à aller à son endroit là en fait. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Je fais une petite ellipse, je regarde le temps qu'il y a dans la vidéo quand même. Hop. Et hop. Alors j'ai le choix soit de vous la foutre dans le fion, littéralement. Hein. Quartier du théâtre. Pourquoi il me demande de repartir? Une mine. C'est une mine à capsule qui plus est. Hop. Descente. Voilà, il descend. Non, je pense qu'il faut monter normalement. Deuxième étage. Voilà, pourquoi il me sort de là? Hop. Deuxième étage. Ah, je peux pas monter en même temps. Dommage. Oh, l'arrêt a été brusque. Yo. Y'a du monde? Ce con s'emmerde. Ah, ça a le mérite d'être clair. C'est quoi ce bruit? Ah, terrasse de café, mais non! C'est marrant comme bâtiment ça, y'a l'impression qu'il y a rien qui est fait pour aller à la quête. Directement à la quête en fait. C'est bizarre. C'est l'énigme ce bâtiment. Je vais t'éclater la cervelle! Quoi? Qui est là? Ah, c'était toi, mince, excuse-moi. Tiens, regarde, hop. Elle t'est comment? Elle t'est belle? On va les fumer! Wow! Arrête de bouger, saleté! Commencez à peine à se marrer. Hé! Hey, tu me suis? C'est joli ce machin là-bas, dis donc. C'est une piscine? Oh là là, le luxe. C'est une piscine aussi ici. Tellement de luxe. Allez, sors de ton trou. Ça vaudrait presque le coup de voir si je peux pas grimper comme ça en fait. Ça va être un bon combat. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux te projeter? Oui. Alors attendez, faudrait que je le projette dans le bon sens, tant qu'à faire. On s'en fout de du légendaire pour le coup. Au contraire, le fait qu'il soit légendaire, ce sera juste un... Tu vas me le payer. Tu cognes comme rat de cafard. Je t'insulte. Allez. Ouais. Oh le pauvre. Oh, s'il est pas mort avec ça. Oh d'accord, il y a des mecs là-bas. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Quel programme. Quel public génial. J'espère que c'est pas là en fait, il faut que j'aille. Vous avez gagné un niveau. Ok. Ah oui, l'aptitude mystère étranger, exact, je voulais le mettre. Efficacité mortelle. Plus souvent, votre jeu de critique a une chance de se remplir lorsqu'il tue un ennemi. Ok, clairement, oui. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille? Telle est la question. Alors. Ah non! Attendez, mais AP remonte. Peut-être que ça va le faire. Hop, recharge.
Ça monte. Hop, on attend que les AP remontent, on va essayer de grimper là, puis là. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Ok, je vais pas aller dans la piscine, ce sera un coup à pas pouvoir ressortir. Centre 360. Bon bah on remonte hein, on continue à monter hein. Heureusement j'étais censé m'arrêter là. Ou alors je vous arrête là tout de suite, en plein milieu de l'escalade. Bonjour. D'accord, donc là je suis en haut par rapport à tout à l'heure. Ok. Donc techniquement ici, l'ascenseur monte. Si tu descends, sac à caca, je le prends mal. Apparemment il monte. Ok, c'est une bonne chose. Allons voir. Donc, j'espère que je vais pas avoir de problème de tournage. Putain. J'aurai les boules. Ok. Ah bah non, c'était bien là. Wow, bonjour. Ah bah... Je crois que je t'ai donné ton propre... ce que tu voulais absolument me faire à moi en fait. Je t'ai réservé ton propre, mon propre sort. Un Insomniac Ring. Enfin, j'allais voir ce que c'est aussi. Ok. La girouette. Ah, je la voyais plus grosse avec la tête de... Je la voyais même beaucoup plus grosse. On pourrait sauter dans la piscine si on voulait. Non, je vais essayer d'atteindre l'espace plus loin là. Un petit peu plus loin. Hop là. Putain, je teste cette sensation. Elle est énorme. C'est énorme de pouvoir retranscrire une sensation pareille. Bon. Eh ben écoutez, nous on va se rentrer au réseau du rail. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Hein. Hop, voilà. Et on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, d'en faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif ou dans la bannière vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement offert le jeu Fallout 4. Donc, mais aussi. Je suis en train de faire mon outro. Mais aussi Star Wars Battlefront, Mad Max. Agatha Christie's et ABC Murders hein, donc un grand merci à eux pour leur confiance, un grand merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, je vais y arriver un jour, j'arriverai à faire une autre correcte.